Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes, et on se retrouve aujourd'hui sur Mirror's Edge. Ça fait déjà un petit bout de temps que le jeu est sorti, je viens de le commencer, et je me suis dit que ce serait avec un grand plaisir que j'allais vous faire une petite vidéo sur ce jeu, histoire de vous le faire découvrir, et que de découvrir moi-même au passage, vu que je ne le connais pas. Nous sommes en live, Je découvre le jeu en même temps que vous, j'ai juste déjà fini l'entraînement. Et donc on va se faire ça ensemble. Le début. Puis d'ailleurs vous me direz, je pense continuer, puis vous me direz si vous souhaitez d'autres vidéos sur ce jeu. Voire carrément une épopée, un truc complet. C'est vraiment impressionnant comme jeu. Enfin le... Ouais, on est vraiment dedans, c'est cool. Déjà rien que ça... Là. Halt. Ok. On va rejoindre notre ami. Et le son, mes amis, quand il y a l'avion qui passe à côté. Ouais, la stéréo est vraiment énorme. Pour ceux qui ont un bon casque, c'est tout simplement énorme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Salut, Face. Contente de te revoir plus tôt que prévu. Suivez Céleste, très bien. L'effet de vitesse et les mains et tout, c'est vraiment très très impressionnant. Et pour ceux qui connaissent déjà le jeu, normalement il devrait y avoir Mirror Edge 2 qui devrait sortir bientôt. Donc, je suis plutôt impatient. Donc espace courant vers le mur, hop. Ok. Allez, on continue. Bim. J'espère que je vais réussir à passer l'entraînement sans trop de difficultés. Je pense qu'on fera juste les premières missions. Peut-être la fin de la première mission, peut-être juste l'entraînement. Selon combien de temps ça dure. Sauf que vous voyez un petit peu le jeu. Pour ceux qui se posent la question, c'est Electronic Arts et DICE qui ont fait ce jeu. Comme Battlefield 3, les mêmes. Mais ça date un petit peu déjà. Hein. Ça fait déjà quelques années que c'est sorti. Je crois que ça fait 2 ans ou 3 peut-être. Je ne suis plus sûr. Mais ça reste joli. Même si on voit que les visages sont un peu... Enfin... Le visage de notre grande amie en rouge là est pas terrible. Comment je me suis gouré? J'ai même pas... Je parle et je n'ai même pas lu ce qui était écrit. Alors, espace, ok. Ça va saisir automatiquement. Hop là. Ok. On se balance. Et on saute. Ouch, ça doit faire mal. Les bras comme ça, c'est vraiment, vraiment classe. Autant dans Battlefield 3, on est censé voir nos bras, tout ça, mais je trouve que c'est moins bien fait que là. Bizarre. Espace, rebord, ok. Ici. Oui, je disais avant que j'ai fait l'entraînement. Mais je l'ai fait il y a quelques jours quand même, donc j'ai un peu oublié ce qui est après. On va voir. Ah, ça je m'en souviens. J'ai galéré comme tout à l'entraînement, enfin la première fois pour faire cette scène, enfin pour franchir cet obstacle. Mais bon, on va essayer de faire comme on peut. Ce qui est bien, on voit notre ombre. On est une jeune demoiselle. Fesse. Alors espace. Ah, espace. C'est bon là? Voilà, c'est exactement le même problème que j'avais eu la dernière fois. Je suis dessus, mais je ne sais pas pourquoi ils disent que c'est pas bon. Allez savoir comment. C'est bon là? Ok, nickel. Hop! Ok. Ouais, donc c'est automatique, hein, pour se mettre sur la corniche. C'est automatiquement, après on a juste à bouger. Drôle de chaussures quand même, hein. Les chaussures, ouais. Avec un espèce de trou au milieu pour les orteils. Et n'empêche, une chute comme ça, les mecs, enfin les filles, ont l'air d'être plutôt bien entraînés, hein, pour faire des aussi grands sauts. En même temps, si c'est leur boulot, forcément. Et l'ambiance sonore est vraiment extraordinaire, hein. Zut!
Ok. Non, aïe, aïe, aïe. Je me suis gouré de boutons, trop pour moi. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'utiliser mage gauche, en général c'est contrôle, dans tous les jeux c'est contrôle, mais là c'est mage. Alors vous allez me dire que je pourrais changer les touches, mais en fait j'ai réfléchi, c'est vrai que mage, c'est plus agréable, c'est plus accessible en fait, contrôle, mais bon. Aïe, trop tôt. Alors, on peut voir que je suis vraiment doué sur Mirror Edge. Ah, ça doit être une question de prise en main, avec un peu de temps, ça va me sembler facile. On s'accroche. Et on saute. Voilà. Sur l'espèce de trampoline. Vous avez vu, tout ce qui est en rouge, en fait, c'est là où on doit aller. Les obstacles qu'on doit franchir. Quoi, la petite histoire. Alors, maintenir G pour plier vos jambes en l'air. Ok, parce qu'il y a des barbelés. Hop, plie les jambes et ça passe. Ok, je me suis un petit peu loupé. Comment il faut faire ça? Mais, j'appuie sur mage. Ok, donc faut vraiment le faire au dernier moment, quoi. Ok, ok. C'est très contrasté, on a du blanc, du bleu, du rouge et du jaune-orange. C'est assez drôle. Ah mince, faut aller là-bas. On s'accroche. Elle est passée où notre copine? Allez là. Salut. Et je vous laisse les dialogues, si on a. Je veux que je teste tes talents de combat. On ne sait jamais. T'es prête? Prête. Ok, vas-y. Bim. Mouais. Attaque sautée. Voilà. Oh, joli coup de pied. Attaque couchée. Loupé. Attaque couchée. Non. Ah. J'ai voulu courir, mais c'est vrai que courir, c'est s'accroupir. Okay, donc bon. On va essayer un peu le désarmement. Au cas où. Souris 2 pour désarmer. Donc clic droit plutôt. Ok. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Isole-les, prends-en un à la fois, si tu dois te battre. Waouh. Efficace, hein. Bon, en même temps, je doute... Enfin, elle a fait un peu lentement son geste. R, con... Ok. Bof. Oh, en mode ralenti. Je trouve qu'elle a une tête qui est pas très sympathique, notre amie Céleste. Je sais pas, okay, vous, mais... c'est bon pour aujourd'hui, les filles. On va passer aux choses sérieuses. Break a un boulot pour toi, Cell. Vois ça avec lui. Face, fais-moi signe quand t'es prête. À plus c'est tard, parti. Face. Entraînement terminé. Moi, je jouais. Elle est où, ma souris? Elle est là. Jouer, c'est parti. Ah. Je vous laisse apprécier... la petite cinématique de début avec la musique. Impressionnant, hein. Ouais, je pense qu'on est tous impressionnés, Face. Quand t'auras fini de faire la belle, tu pourras essayer de te concentrer un peu plus sur le boulot. Céleste est en position pour la livraison. T'as juste à lui passer la manette. Elle t'attendra près de la tour de communication pour toi. Ok, bien reçu. Bon. C'est parti pour la première mission. Magnifique roulade. Saut. Zut. oui, s'accroupir, comme ça. Pas de problème.
Sagère. Remarquez que c'est un petit peu haut quand même, hein. Bon, en bas, c'est pas très bien fait, mais bon. C'est normal, en même temps, on n'est pas trop censé regarder. Enfin, s'ils mettaient des détails sur la route, forcément, ça serait plutôt embêtant, après. Pour les chargements, les graphiques, enfin... Ouais, au niveau ressources demandées par ordinateur. Est-ce qu'il faut que j'aille là? Attends, c'est où que je dois aller déjà? Oui, c'était ça. Hop, hop. Bah, saute. 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 Magnifique, les pigeons qui s'envolent, mais quel réalisme! Wow. Regarde pas en bas. Un effort. Céleste risque de s'impatienter. Elle est presque à la tour et toi non. Bouge-toi et passe-lui la mallette. Elle prendra la suite. Attention pour le saut. J'ai fait exprès de mourir. C'était pour que vous puissiez apprécier la magnifique chute. Hein. C'est uniquement pour ça. N'allez pas imaginer autre chose. Bon, peut-être que j'ai pas fait exprès. Attention. Waouh. Facile. N'empêche, là l'immersion est vraiment totale. Au niveau du corps et tout. Waouh. Mais cassez-vous. Oh la stéréo. Oh la vache. Je tourne la caméra, c'est juste pour la stéréo, les gars. C'est énorme. Ah, c'est vraiment énorme. Et j'espère que ceux qui regardent la vidéo auront aussi un casque de toi, en stéréo, parce que c'est énorme. Et a prévenu les flics. Où est-ce que je dois aller? Ce sera poubelle? Peut-être pas. D'accord. Oh, énorme. Le bruitage des pieds sur le plastique est juste énorme. Ah oui, la barre rouge, hop. Non, le rebord plutôt. Conduit d'aération. Ça me fait un peu penser. Ok, j'écoutais un peu l'espèce de radio, c'est pour ça, excusez-moi. Alors oui, c'est ce que je disais. Non, c'est pas moi. Je sais plus ce que je disais, ils m'ont fait paniquer. On monte. Oui, je disais que ça fait un peu penser à un Tomb Raider en première personne. Ça... Enfin non, un petit peu, voilà. Au niveau des corniches, des sauts, etc. Allez. Aïe, j'ai loupé ma roulade. Jump. Allez, on fonce les gars, on fonce. Hop. On va où? Là-bas. Va falloir passer en force. Zut, je vais pas faire ça. Non. Attends, bah, on va le taper, voilà. Allez, saute. Hop. Et attention, désarmement. Bim. Costaud, la fille. Ah, elle est où notre copine? Je retourne aussi. Attends. Ah, elle est là-haut. Ok. Salut! Bref. Elle a rangé son pistolet pendant qu'elle sautait ou j'ai rêvé? Rejoins Céleste et fais attention aux flics. Ça marche. Dépêche, Safe, t'as les flics au cul. Safe, ah, cinématique. Envoie-moi la valise. Ok,
Ok, à mon tour de jouer. Fais gaffe, Cell. Il ne plaisante pas. Ça ira. Merde. Cours. Oh putain. Cours, cours. Ok, je cours. Allez. On se baisse. Peu importe comment, mais fais-le. Hélicoptère, tu veux bien me prendre? Eh ouais, c'est ça en plus. Hop là. Bah, c'était un peu attendu, hein. Oh, regardez-moi. C'est nous? C'est moi? Enfin, c'est le personnage qu'on incarne. Je peux pas bouger la caméra, hein. C'est en mode cinématique. C'était supposé être un job de routine. Pourquoi ils ont tiré, bordel? Je sais pas. Ils ont juste ouvert le feu. Je me demande ce qui se passe. Je me renseignerai. Ramène-toi à la base, Face. Juste noter que l'immeuble reflétait avec les vitres, mais pas les autres. Il n'y avait qu'un seul. C'est vrai que si j'aurais fait ça sur tous les immeubles, ça aurait été vraiment classe, quoi. Bon, après, forcément, au niveau... Parce que vu que le jeu date un petit peu, même s'il pouvait faire plus beau, ça doit bouffer à mort au niveau du PC. Et pour Sifu Mirror Edge 2, et qu'on a vraiment un super truc avec un super bon PC, ça doit être énorme. Pour sa déposition, bon, je me tais. Cambriolage. Enfin bref, c'est au 56 West Arland Drive. Prévenez Miller. Bien reçu. Je transmets le message, officier Connors. Merci. Terminé. Salut, toi. T'es là, ma fille? Hey, Merc. Tu joues encore les espionnes? Tu me connais. Bon, essaie de dormir. Sacrée journée. Je ferai ma petite enquête demain. On verra pourquoi ils ont la gâchette qui les démange. Je tiens au courant, ok? Et ne jette pas la pizza. J'aime le fromage bien, bien fait. Bien fait, ouais, je sais. Bye, Merc. Coup de feu, je répète, coup de feu. Toutes les unités doivent se rendre au 56 West Arland Drive sur le champ. Soyez très prudents. Kate. Où es-tu, Kate? Où es-tu? Hey. Merc. Tu sors? Mets-toi à la radio et suis-moi. C'est marrant le petit effet bande dessinée. Je suis presque. Bon, surtout si tu veux m'en dire plus sur cet endroit mystérieux et sur ce que tu vas y faire, n'hésite pas. C'est ma sœur. Ah, ok. Je vais voir ce que j'ai comme info sur le secteur. Une seconde. Ok. Voilà, au loin, c'est pas super bien fait, hein. Mais bon, c'est vrai que le jeu date et franchement, il est quand même pas mal, hein. Il reste jouable, au niveau les graphismes restent fort sympathiques. Mais écoutez, on va se laisser là pour cette session. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez voir d'autres vidéos de Mirror Edge. Moi, j'ai peut-être envie de vous faire une petite épopée, enfin de faire tout le jeu en vidéo, en votre compagnie, en live. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, une petite aventure suivie sur le jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit j'aime. Moi, je vous dis bye bye et à la prochaine.